الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges, tous les remerciements, toutes les éloges reviennent de droit à Allah, subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, et Seigneur de tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illahu. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, حفظكم الله وحياكم وبياكم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ibrahim, verset 42: et ne pense surtout pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافلا عما يفعل الظالمون. Et ne pense surtout pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين وتخفيف عنهم. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, il y a dans ce verset, le verset 42 de la sourate Ibrahim, il y a dans ce verset une menace terrible et une mise en garde, un avertissement immense pour les injustes, pour les oppresseurs, pour ceux qui font du mal et tyrannisent les autres, et notamment les croyants. Il y a dans ce verset une menace terrible, et également dans ce verset il y a un réconfort, un apaisement, une consolation pour ceux qui sont victimes du mal, de l'injustice, de la tyrannie d'un tel ou un tel. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa prédication à la Mecque, il fut traité de sorcier, de possédé, de fou, de menteur. Lui-même et ses compagnons furent persécutés, et notamment ceux parmi ses disciples qui n'avaient personne pour les protéger. Ni clan, ni tribu, rien du tout, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, s'adressant à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à travers lui, à tout croyant, homme ou femme, victime d'injustice, victime d'oppression, et ce, jusqu'à la fin des temps, Allah nous dit: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمُونَ. Et ne crois surtout pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. حَيْثُ أَمْهَلَهُمْ وَأَضَرَّ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقُ وَتَرَكَهُمْ
يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين متمتعين بالحظوظ الدنيوية. Et même si tu vois ces injustes, ces oppresseurs, même si tu les vois dans la richesse, dans l'aisance, dans la facilité, dans une certaine légèreté de vie, même si tu les vois se pavaner en toute sécurité, fiers d'eux-mêmes, croquant à pleines dents les délices de cette vie d'ici-bas, eh bien, ne pense surtout pas qu'Allah soit inattentif à leurs actes, à leurs méfaits, à leurs injustices. فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلته. قال تعالى إن بطش ربك لشديد. Le fait qu'une personne injuste, une personne qui t'a fait du mal, ou une personne qui fait du mal, qui est connue pour faire du mal, le fait que des oppresseurs soient dans une vie d'aisance, dans la richesse, la fortune, le succès, ce genre de choses, eh bien, ceci ne prouve en rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Ceci ne prouve absolument rien. Ceci ne prouve pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala valide leurs agissements, leurs actes. Car Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, ne fait que leur accorder un léger sursis. Il repousse à plus tard son châtiment et sa punition. C'est tout. Il les laisse en toute justice et en toute sagesse s'enfoncer dans les ténèbres de leurs péchés pour les saisir, pour les châtier brusquement au moment où ils ne s'y attendront pas. Et quand Allah s'empare de l'injuste, quand Allah châtie l'injuste, l'oppresseur, eh bien, lorsqu'il le saisit, eh bien, il ne le lâche plus. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le noble Coran, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Il nous dit, dans la sourate Hud, verset 102, tel est le châtiment de ton Seigneur. Quand il sévit contre les cités injustes, son châtiment est bien douloureux et bien dur. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. رواه البخاري ومسلم. Le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, il nous dit, certes Allah accorde un délai à l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, lorsqu'il le châtie, eh bien, il n'y a pour lui aucune échappatoire. ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Et ne pense surtout pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. والظلم ها هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله. Et
J'aimerais, mes très chers frères, mes très chères sœurs, حفظكم الله وسلمكم الله من كل سوء, qu'Allah vous préserve et écarte de vous tout mal. J'aimerais attirer votre attention sur un point important. L'injuste, الظالم, c'est bien sûr celui qui va causer du tort, celui qui va faire du mal à autrui. Mais également, c'est celui qui va multiplier les péchés. Celui qui désobéit à Allah sans honte ni remords. Et si cette personne ne se repent pas, eh bien, elle est certes sous la menace d'un châtiment douloureux de la part d'Allah. طيب. Allah nous dit dans la suite du verset qui nous intéresse, إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ce qu'on doit savoir également, c'est qu'Allah peut châtier et punir un injuste, un oppresseur, dans cette vie d'ici-bas, brusquement, par surprise, à un moment où cette personne mauvaise ne s'y attend pas. Comme nous dit Allah dans le noble Coran, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-An'am, verset 44, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, c'est-à-dire lorsqu'ils ont oublié, lorsqu'ils se sont détournés des ordres et des commandements divins, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance, en toute chose. Et lorsqu'ils exultèrent de joie, en raison de ce qui leur fut accordé comme richesse et bienfait, nous les saisîmes soudainement et ils se retrouvèrent totalement désespérés. Donc, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala châtie et punisse un injuste, un oppresseur, une personne qui fait du mal, une personne qui cause du tort aux autres. Il se peut qu'Allah le saisisse, le châtie, le punisse dans cette vie d'ici-bas, brusquement, soudainement, par surprise. Tout comme il se peut qu'Allah repousse son châtiment jusqu'au jour de la résurrection. Et en vérité, c'est de cela dont il est question ici, dans ce verset, lorsqu'il nous dit « إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُوا فِيهِ الْأَبْصَارِ. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Ce verset, on se doit de méditer sur ses sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jour de la résurrection et nous donne une description de ce jour, ou plutôt une description des injustes, des oppresseurs. Ce jour, Allah nous dit que ce jour-là, leurs regards se figeront. Leur regard sera figé. Qu'est-ce que ceci signifie? On trouve dans le tafsir, أي لا تترف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل فتبقى مفتوحة. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, les criminels, les injustes, les oppresseurs seront saisis d'une frayeur immense. Ils seront pétrifiés, plongés dans une terreur sans nom, une terreur intense. Ils seront saisis d'effroi, effarés, désespérés,
désemparé devant les atrocités et les châtiments du jour de la résurrection, au point où leurs yeux resteront grands ouverts. Ils ne clignoront pas des yeux, tant ils seront absorbés par l'angoisse, la peur et le désespoir. Il s'agit véritablement d'un jour terrible. Il s'agit véritablement d'un jour terrible. Un jour durant lequel les cœurs seront fracassés. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 43, le verset qui suit, le verset par lequel on a commencé cette intervention, ce rappel, il nous dit « Ils courront suppliants, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. » « Fayoum al-qiyamah » الظالمون يخرجون من قبورهم مسرعين لإجابة الداعي للحساب لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ رافعي رؤوسهم لا يبصرون شيئا لهول الموقف أبصارهم طائرة شاخصة وقلوبهم خالية لا تعي شيئا لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى وقال السعدي رحمه الله وأفئدتهم فارغة من قلوبهم التي قد صعدت إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. Donc au jour de la résurrection, les injustes, les criminels, les oppresseurs, ceux qui tyrannisaient les autres, qui leur causaient du tort, leur faisaient du mal, ces personnes sortiront de leur tombe en courant pour répondre à l'appel du jugement. Et ils n'auront pas d'autre choix que de s'y rendre. Et il n'y aura rien ni personne pour les secourir, aucun refuge ni porte de sortie. Et la terreur, le désespoir se lira dans leurs regards qui seront fixes et hagards devant les horreurs du jour du jugement, et leurs cœurs ne seront pas capables d'analyser ou de comprendre quoi que ce soit, tant ils seront assaillis par la peur, le désespoir, l'angoisse, etc., etc. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit « وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ » Et les cœurs vides, leurs cœurs seront vides, c'est-à-dire incapables d'analyser, de comprendre quoi que ce soit. Ils seront bouleversés, désemparés. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ Qu'Allah nous en préserve tous ainsi que nos proches. Et l'imam al-Sa'di, rahimahullah, nous dit dans son tafsir, dans son explication du verset, concernant la parole d'Allah, وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ et les cœurs vides, il nous dit que ceci signifie que leurs cœurs auront quitté leur poitrine. C'est-à-dire, ils auront les poitrines vides. La cage thoracique vide. Les cœurs auront quitté leur place naturelle pour venir se loger dans les gorges. Il faut imaginer la scène. Le cœur, tellement il bat fort, tellement il est saisi de frayeur, il change de place. Il se retrouve dans la gorge. Tant la frayeur sera à son paroxysme. Ainsi, leurs poitrines seront vides de leur cœur, nous dit le cheikh Sa'di, rahimahullah. Mais ces poitrines seront remplies de désespoir.
de tristesse, de regret, d'angoisse. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمُونَ. Et ne pense surtout pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Prenons garde, mes très chers frères, mes très chères sœurs, prenons garde d'être injuste envers qui que ce soit, que cette personne soit musulmane ou non, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, une personne simple d'esprit, qui que ce soit, prenons garde d'être injuste envers les autres, de faire preuve d'oppression, de tyrannie, envers un tel ou un tel, ou même envers un simple animal. Prenons garde d'être injuste également envers nous-mêmes, de par nos péchés répétés et accumulés, de par nos désobéissances envers Allah. Prenons garde de faire partie des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, et c'est sur ces versets qu'on va citer, qu'on va conclure ce modeste rappel, Allah nous dit « Wallahu la yuhibbu al-zalimin » et Allah n'aime pas les injustes. Sourate Ali Imran, verset 57. Et il nous dit également dans la sourate Al-Ma'idah, verset 51, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et il nous dit dans la sourate Al-An'am, verset 21, إنه لا يفلح الظالمون. Et certes, les injustes ne réussiront jamais. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسأله الهداية والشفاء والتوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.